Une réalisation de la promesse faite par le feu maréchal du Tchad, les projets de construction des infrastructures dans la province du Guéra ont été lancés depuis mars 2021. Où en est-on après que ces chantiers aient été interrompus après la disparition brusque du feu maréchal du Tchad? Quel est l'état d'avancement des travaux? Le point focal des projets au Guéra, Idriss Dokoni Adiker, signifie le mobile de son déplacement. Je suis venu en ce moment à Mongo et constater par rapport à l'évolution de ces travaux et voir s'il y a des corrections à faire et rendre compte. C'est ça notre mission. Cette délégation, conduite par le point focal des projets au Guéra, Idriss Dokoni Adiker, en compagnie du gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mohamed Galma, a effectué une descente sur les chantiers de construction. Ainsi, la délégation a commencé la visite par le chantier de la résidence présidentielle, ensuite à la centrale hybride, puis aux 30 bâtiments sociaux et au lycée scientifique. Elle a entamé la visite par l'inspection de quelques bâtiments administratifs en réfection. Dans chaque chantier, la délégation a eu droit à des explications de la part des techniciens qui dirigent les travaux. Au terme de sa visite sur les chantiers, le point focal Idriss Dokoni Adiker a fait savoir qu'il a effectué cette descente pour évaluer l'état d'avancement des travaux et dégager les actions qui requièrent une urgence.